Salut à tous, on se retrouve dans le troisième épisode de mon Let's Play sur Rodka 11 et on continue tout de suite après l'autre épisode qui s'était plutôt bien passé. Allez, c'est parti. Donc là j'en étais là. Bah non, on va pas faire de trop de manœuvres parce que ça coûte des sous et on est un peu short niveau budget. Ah, Jiankin, ah, Lu Jiang souhaite vous servir. Alors Jiankin c'est un très bon général qui a plus historiquement bien servi l'armée des Wu. Donc il va venir. Je n'ai d'autre place que de vous servir, vous, armée de Sun. Je n'ai aucune autre place que de me servir. Oh là, ça veut rien dire ça. C'est moi qui veux rien dire. Ma place. Oh, je trouve pas la bonne tournure de phrase, tiens. Je n'ai nulle autre place que de me servir à l'armée de Sun Tse. S'il vous plaît, laissez-moi vous servir. C'était pas terrible. Oui, évidemment que je laisse rentrer. Hein. Un officier comme vous est indispensable à notre air force. S'il vous plaît, agissez comme mon bras droit. C'est pas mon bras droit, mais il va être pratique. Donc lui, il va falloir qu'on lui botte le cul sur la route. Ça serait pas mal. On va avancer en barrage un peu, histoire d'être sûr que de ferrer le poisson. Quant à lui, il va se reposer un peu en ville et reprendre des forces. On peut lancer une recherche, mais ça coûte 1000. J'ai 2000. J'ai des crossbows améliorés. Alors là, c'est toujours un peu. J'ai tendance à toujours augmenter les commandes. C'est-à-dire, je vais tous vous les traduire. Alors, c'est lancier amélioré. Augmente la force des lances. Les lanciers, attaquer les provisions. Les lanciers attaquent, volent de la nourriture en attaquant avec des attaques basiques. Surprise, les lanciers ne peuvent pas être contre-attaqués depuis une forêt, quand ils attaquent depuis une forêt. Lancier d'élite améliore l'attaque, la défense et le mouvement des lanciers. Améliore le piqué amélioré. Résistance aux flèches, 30% de chance de se défendre contre une attaque de flèche commune. Grand bouclier. 30% de chance de se défendre contre n'importe quelle attaque commune. Piqué d'élite, la même chose que pour un lancier d'élite. Un crossbow amélioré, enfin un balistrier amélioré, pardon. Un contre-attaque en gros. Les arbalestriers répliquent s'ils sont attaqués par une autre unité d'archer. Arbalète puissante, ça augmente la portée d'une case, ce qui est très pratique. Et arbalestrier d'élite, cavalerie améliorée, domptage de chevaux, ça améliore le déplacement des unités de montée. Archer monté, donc ça permet aux cavaleries d'utiliser les arcs, cavalerie d'élite, troupes vétérantes, ça augmente le maximum de volonté de 20. C'est toujours une technique de plus à se servir sur le terrain. Adepte marche d'adepte, ça permet d'utiliser les raccourcis ou les endroits étroits. Et ça, on ne prend pas de dommages quand on est sur les plans cloués. Les plans cloués, c'est les bords des crevasses. Réforme militaire, ça augmente l'unité maximum, la taille des unités de 3000. À ce niveau du jeu, c'est de toute façon, je le débloquerai pas maintenant, mais c'est inutile parce que j'ai pas assez de soldats. Plus tard dans le jeu, c'est indispensable pour avoir des grandes unités. Yunnan Ladder, pardon. Donc les échelles Yunnan, ça augmente l'attaque contre les bases. Axe renforcé permet d'augmenter le mouvement des armes de siège. Construction de pierre permet de construire des murs de pierre et les 8 piliers. C'est des édifices stratégiques. Qu'on peut se préparer autour sur son terrain. Mais ça coûte des sous, donc c'est pour ça que j'en ai pas encore fait. Catapulte, développer les catapultes, ça permet de construire des catapultes, des vaisseaux de guerre et des plateformes à catapultes. C'est très bien pour les armes de siège. Et foudre, les projectiles de pierre touchent aussi les carrés adjacents. Donc c'est bourrin quand on attaque avec ça. Mais bon, c'est bon pour tout de suite. Ingénieur entraîné, la vie des bâtiments est régénérée à chaque tour.
Reinforced Facilities, c'est les installations renforcées. On peut construire des avant-postes et des tours d'arbalestriers. Remparts améliorés, on peut construire des forts. Et ça augmente aussi la vie de nos villes et de nos bases. Et défense renforcée, ça augmente la contre-attaque quand on attaque une ville. Enfin, la note, évidemment. Développer un Juggernaut en français, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est les chars, des petits chars d'assaut, enfin des petits chars d'assaut contemporains, évidemment, au jeu. Donc, c'est des installations en bois qui vont être alimentées et cracher du feu en quelque sorte. Je sais plus comment, je sais plus c'est quoi le nom qu'il y a dans les jeux. Stratagème de feu, ça permet d'utiliser la compétence stratégique Fire, donc feu. Sur 3 carrés de loin au lieu d'un seul. C'est pratique pour faire de la stratégie avec d'autres installations inflammables. Entraînement à la poudre. Un poudre à canon. On peut utiliser des grands, enfin des feux et des boules infernales. Entraînement explosif. On peut utiliser des embers, je sais plus ce que c'est, de l'enfer. Et des boules de feu infernales. Voilà. Donc là, bah, je sais pas trop quoi prendre au début à chaque fois. Ça, je pense à faire beaucoup tout de suite. C'est pas, j'ai des petites distances donc ça va. Bon, pour l'instant, je vais garder. J'ai perdu tout ce temps pour rien en fait. Non, mais pour l'instant, je vais garder. Ça servira bien assez tôt, vous inquiétez pas. Alors, du coup, je ne vais rien dépenser. On se prépare. Se fait attaquer. On va lui mettre ça. Pas vraiment. Allez hop. Et on va sûrement pas s'attarder sur ce misérable. Je dois m'attarder un peu du coup. Ah non, je vais l'attaquer au cac pour récupérer de la bouffe. Et du coup, on a capturé notre adversaire. Donc, je peux soit l'employer, que s'il désire vraiment me servir, il peut. Soit le faire prisonnier. Il va me revenir à 50 pièces d'or par mois. Et je pourrais essayer de l'employer plus tard. Soit le relâcher, ou l'échanger contre de l'argent. Soit le relâcher, il retourne à sa maison, soit l'exécuter. Bon, c'est vraiment, on va dire, si j'ai une dent contre lui que je vais l'exécuter, là c'est pas le cas, je vais essayer de l'employer. Ah, bonne blague. Bah, je vais te faire prisonnier, tiens. Alors, comment est-ce que j'ai pu permettre ça? Et donc voilà. Donc pour l'instant, pas d'autres attaques par chez nous. Lui s'est calmé parce qu'il a plus de troupes à envoyer. Et du coup, je vais en profiter pour l'envahir. Donc, comme pour l'instant je suis bien entouré par mes alliés, j'ai pas besoin de beaucoup de troupes ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 6000. Non, c'est pas ce que je vais faire, pardon. 1806 piquets. J'aime bien avoir des chiffres ronds sur mes bases que je laisse. C'est un peu inutile, mais bon. Petite habitude. Par contre, ce serait bien que je fasse pas des erreurs bêtes. Mais on va estrier. Les bateaux, j'en aurais pas besoin là-bas. Et puis, 7113 soldats. L'argent, il y en aura peut-être un peu là-bas. Moins de nourriture. Et. Alors, je vais laisser Jenkins s'occuper de cette base. J'aurai les officiers que j'envoie. Xiao Kiao. Ça permettra de ressourcer un peu tout le monde sur la route. Pardon pour le petit bruit de papier. Zhang Zhao, j'en aurai besoin là-bas pour construire bien ma ville. Et il va rester là. Et puis pour l'instant, ça va aller. Alors allez hop, on envoie ça. Ça nous permettra de faire du support pour nos troupes sur la route. Et de les réapprovisionner si jamais il y a besoin. Allez, on file.
Hop, on va comme ça. La trajectoire elle est prévue. Pas besoin de s'en occuper à chaque tour. Hop. Ah, je suis quand même dégoûté pour Chesang de ne pas l'avoir vu. On s'est fait prendre la ville sous le nez. Alors, Matang, il est là. Donc, on s'en fout complètement pour l'instant. Je pense qu'on le verra jamais de toute façon. Zhang Zhao, il va défiler par là. Non, personne. Quelqu'un. Ah, quelques officiers libres. Je vais essayer d'en recruter quelques-uns, parce qu'il y en a qui sont quand même très bons. Et ça sera bien d'en avoir le plus possible, on va dire. Pour permettre de faire tourner la ville enfin nos villes, au meilleur rendement possible. Pour l'instant là, rien du tout. Donc, vous filez vers Wuhu. Ouais, ça a l'air d'aller pour l'instant. Allez. Je vais faire comme d'habitude. Ça marche bien. Pas de raison que ça fasse pas pareil. Voilà, toutes nos troupes sont arrivées devant le port. L'ennemi commence à recruter des troupes, mais il manque déjà cruellement de moyens. Pour faire peut-être embaucher encore quelques soldats, mais. Alors, on va lui prendre son port, tout simplement. Incinérer. Incinérer. Je vais pas tailler directement parce que je vais perdre des troupes. Parce que le bâtiment va répliquer. Et lui, je vais mettre ici pour qu'il gagne du temps à remonter. Alors, je vais pas laisser mes troupes se rentrer dans le port pour pouvoir les faire ressortir. Ça perd pas de temps en vrai, c'est juste qu'il faut aller dans les menus et tout. Ah, tiens, parfait. Liao Yua rejoint nos armées. Le Zhukang aussi. Parfait. Deux très bons officiers. Enfin, très bons. De bons officiers. Pas non plus. Allez, si. Tu fais bien ton coup. On l'a. Allez. Ah. Tant pis, je vais passer par le menu, mais ça vaut le coup. Allez, Wuhu a été capturé, c'est parfait. On est déjà en 195 au mois d'août, et on est le 1er août. Alors parfait, on a déjà mis pied sur leur terrain. Bon, ils vont sûrement faire sortir leurs troupes pour se défendre. Ah, ils ont fait, on n'a pas été recrutés. Les soldats vétérans sont terminés. Voilà. Bon. Il nous a sorti les lanciers. Lanciers qui sont meilleurs. Enfin, qui ont l'avantage par rapport à la cavalerie. Mais on va ranger ça très vite. Moi j'ai des piquets là. C'est parfait. Et là, j'ai l'arbre d'astrier. Surtout. Parfait, il est perturbé. Il peut rien faire, il est complètement vulnérable. Hop. On prend tout ce qu'il y a, il n'y a rien à laisser. Le Sou Andang. Ouais. Et vous allez pas vous arrêter pour vous battre contre Tahiti. Vous allez directement attaquer la ville. Et puis on va se mettre dans le cercle de la ville histoire de les mettre en situation de siège. Et puis on va les prendre en tenaille. Désolé, je fais pas beaucoup de commentaires, on va dire, hors de mes plans militaires en pleine action. Mais j'essaie de rester le plus concentré possible. Pour pas faire n'importe quoi et perdre misérablement aussitôt. Entraîner. Ah oui, c'est vrai, je suis passé du coup. Et hop. Tahiti s'est déjà libéré de la surbation. Side swipe. Hop. Onslaught, qui veut dire massacre si je ne me trompe pas. Ouais, non, slaughter, hein, ça. Pardon. Onslaught, c'est une percée, une avancée. Hop, vaincu. Bon. Ah oui, c'est vrai, il y a lui qui arrive. On peut pas revenir.
pas grave, ça va être rapide. Oui, oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Hop, on va encercler la ville. Hop. Dédoubler un petit peu. Tac, tac, tac. On va entraîner les troupes. Hop. C'est bien, on a fait des économies au moins ici. Je pourrais enlever ça, mais j'aime bien voir. Enfin là, ça va, je sais qui est où. Mais je préfère laisser. Donc c'est Andang qui va avoir le mérite de prendre la ville. Et voilà. On a capturé notre première ville, Jiangyi, qui deviendra notre capitale. Alors Andang 1. Alors on a capturé tous les officiers qui étaient en poste, donc Liu Yao, le seigneur. Je vais tous essayer de les recruter. Imbécile, pensais-tu que j'allais me soumettre à toi? Ouais. Ouais, il dit la même chose. Mon cœur est ferme, je ne me soumettrai pas à vous. Vous voulez que je me rende? Gardez vos rêves pour quand vous dormez. Pour qui... À qui est-ce que vous croyez que vous parlez? Je ne m'agenouillerai pas devant vous. J'ai longtemps attendu ce jour. Je vous servirai sans attendre. Jusqu'à la fin. Bref. Du coup, je vais tous les emprisonner. Puis je vais essayer de les reprendre. Ils voudront. J'en suis presque sûr. C'est juste que là, ils ont un peu l'amertume de la défaite. Qu'ils n'auraient pas. Magnifique. Eh ben c'est parfait, du coup, hop. Oh merde, j'ai cliqué au mauvais endroit, tant pis, c'est pas grave. On rentre les soldats dans la ville. Parfait. Du coup, ici. Hop. On va attendre un peu encore, on va dépenser dessous. Puis on va entamer la construction, enfin du moins la reconstruction. Ah oui. Ah d'ailleurs, on a notre voisin qui est en train de se faire latter les... Ah non, qui a latté son envahisseur plutôt. J'ai pas envie qu'il se fasse attaquer parce que c'est notre prochaine cible. Alors oui, on restait là-bas. Est-ce que j'ai d'autres officiels à envoyer? J'aurais bien laissé du monde ici pour ça. Son Kien, Chen Wu, vous y allez. Là, ça va laisser de quoi s'occuper de la ville. Et la ville d'ailleurs, elle va s'autogérer avec un district. Alors c'est feignant, je sais, normalement pour une seule ville, je pourrais continuer à surveiller. Mais je préfère me concentrer pleinement. Hop. Donc Sun Jing s'occupe du district. Alors, on est arrivé 1200. Ah oui, ils sont pas riches, c'est vrai. C'est pas construit comme j'aime bien. Mais ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire. Hop. Hop. On arrivait pile au bon moment pour avoir des ressources supplémentaires. Sauf que tout le monde est au boulot. Voilà. Alors je vais essayer de recruter. Ils sont pas tous coopératifs. Ah, un de plus. Deux de plus. Une personne. Il veut pas non plus. Bon, même s'ils vont peut-être pas nous servir longtemps parce que ils ont peut-être atteint leur date de péremption, si j'ose dire. C'est toujours pratique d'avoir des officiers rien que pour pouvoir entraîner les troupes et laisser des meilleurs officiers faire autre chose. C'est toujours un plus à ne pas sous-estimer.
Et voilà, je les ai tous. J'ai vu des choses. Ah non, j'ai mal vu. Développer. Plus de marché. Plus de marché. Plus d'argent. Plus d'argent. Plus de troupes. Plus de troupes. Plus de conquêtes. Et on avance. Et ça va bientôt être la fin de l'épisode. Le dernier, je l'avais laissé un peu trop long. Mais bon. Après, c'est pas le même rythme que dans Suikoden ou. Les autres jeux que je ferai à l'avenir, donc c'est difficile à choisir entre 20 et 30 minutes, donc c'est pour ça que j'arrête pas tout de suite. À Liubei, oui, bah c'est pareil, Liubei il est loin. Entraîner les troupes, développer des. Le plus important à voir, c'est au début, c'est évidemment des ressources. C'est la base de toute façon pour avoir pour que la ville puisse au moins subsister. Ce qui est troupe et tout vient après, éventuellement. Parce qu'au fur et à mesure du jeu qu'on progresse, par exemple, si admettons j'avais toutes ces parties là et que j'avais juste ici un ennemi et ici, les villes ici n'auraient pas de. Pas les mêmes constructions que les villes de front. Les villes de front, par exemple, n'auraient pas de ressources. Je m'en consacrerais à créer des troupes et les villes arriérées, enfin en retrait plutôt, plus correct, auraient justement les ressources à fournir aux villes de devant, ou inversement, enfin, de manière à faire ça plus intelligemment, plus pratique. Enfin, ça marche si vous faites une construction, on va dire. Polyvalent pour tous, hein, évidemment, mais. Bon, et puis c'est question de préférence, tout simplement. On va finir de construire dans la ville. Et on s'arrêtera là pour cet épisode et pour cette session. Hop. Aïe. Hé hé. Bah finalement, on arrêtera peut-être plus tôt parce que j'ai plus de sous. Il y a plus de sous. C'est la crise. Ah. C'est un envoyé de l'empereur. Parce que oui, il y a un empereur, hein, malgré toutes les guerres. Tout simplement, l'empereur est retenu par un général. Donc si je prends la ville où l'empereur se trouve actuellement, je peux choisir de supporter l'empereur, ce qui m'attire plutôt... pas les foudres, l'inverse, justement. Les amitiés des autres seigneurs. Où je peux choisir de détrôner l'empereur et de devenir empereur. Ce qui m'attire par contre là les foudres de tous les autres. Alors, Sun Tse, je vous confère solennellement le titre de lieutenant-gouverneur. Puissiez-vous servir les Han avec loyauté. Les Han, c'est la dynastie actuelle. Je suis des plus... Je vous remercie humblement. Mes sujets seront très contents. Au 12e mois de l'an 195, Sun Tse fut donné le titre de... a reçu le titre de lieutenant-gouverneur par l'empereur Xian. Et voilà, parfait, 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 parfait. On va pouvoir finir de développer. Après tout ça. On pourra mettre un peu de tout. Et donc on va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous retrouverai soit dans le prochain épisode de Romance of the Three Kingdoms ou dans Suikoden pour la suite de mes deux aventures suivies. Je vous remercie d'avoir regardé, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est toujours, ça me fait toujours plaisir. Et bah, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert ou même à vous abonner. Et je vous souhaite...